Yo tout le monde, c'est Rocanadis et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur mes poussins, donc partie 1, voilà. Donc je pense que je ferai une partie toutes les deux semaines. Donc d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu 3 poussins et je ne vous ai pas fait de vidéo. Donc tout d'abord, c'est-à-dire que j'ai ma poule sauvage hybride, j'ai 3 poules hybrides, voilà. Une qui prend des œufs verts, que ma poule soit couvée il y a au moins un an, enfin c'est ma plus ancienne poule hybride. Une deuxième, enfin il y en avait deux autres que j'avais gardées parce que je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais plein de coques, c'était infernal et que voilà. J'avais été obligée de m'en débarrasser, voilà. Donc il restait 2 poules. Donc j'ai gardé une poule et l'autre s'est cachée à couver des œufs, voilà, dans le sauvage, dans le buisson quelque part. On n'a jamais trouvé, donc j'ai cru qu'elle s'était faite manger par un chien. Et en fait non, trois semaines après je l'ai retrouvée avec plein de poussins, une douzaine de poussins, donc voilà. Et des personnes étaient intéressées par les poussins. Voilà, et dans ces poussins, il y avait 3 œufs de poules soie. Et les 3 œufs ont marché, il y a eu 3 poussins soie. Voilà. Et tous les autres poussins, c'était des poussins hybrides. Du coup, tous ces poussins, je les ai donnés à des personnes, comme je vous le dis, qui étaient intéressées. Et voilà, donc, parce que si personne n'en voulait, j'allais être obligée vraiment de m'en débarrasser, parce que je n'allais pas revivre ce qui avait été l'année dernière, je crois. Oui, c'était l'année dernière, évidemment, parce que c'est pas longtemps. Ce qui était infernal, que les coqs chantaient et que les voisins commençaient à crier, du coup j'avais été obligé de les tuer, voilà, malheureusement. Et voilà, donc des personnes ont voulu, elles les ont voulu, et voilà, tout s'est arrangé. J'ai récupéré les 3 poussins soie, évidemment, pour 2 poussins soie. Et je me suis rendu compte, donc faites pas la couverie, c'est mon cobra main, voilà. Donc il y a 2 coqs et une poule, là, si j'ai bien regardé. Voilà. Donc juste d'ailleurs dans une vidéo conseil, je vous montrerai comment savoir si un poussin est une poule ou un coq. Voilà les méthodes, je vous expliquerai bien. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser sur le visionnage de cette vidéo sans faire de bruit, donc sur mes 3 poussins. Sur ce, bon visionnage.
voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où vous voulez, et à la commenter. Donc voilà, donc bien sûr, il y aura une partie 2 sur les poussins, mais avant je faisais toutes les semaines, la dernière fois, l'année dernière, quand j'avais des poussins. Là, je vais faire toutes les 2 semaines, parce que toutes les semaines, c'est un peu trop, il y en a un peu trop. On voit pas trop l'évolution, alors que 2 semaines, on voit encore mieux l'évolution, je trouve. Donc voilà. Donc, sur ce...